Chers internautes, bonjour. Et aujourd'hui, une petite nouveauté concernant la reprise des émissions avec notre invité Olivier Hameau. Une nouveauté puisque c'est un jeune qui va désormais animer cette émission culinaire. J'ai l'honneur de vous présenter Elliot, qui a décidé de se lancer dans l'animation et nous allons tout faire pour le mettre en pleine confiance. C'est un jeune qui, c'est Elliot, qui désormais va animer une fois par mois cette émission concernant la Bonjour Elliot. cuisine. Elliot, bonjour. Bonjour Richard, bonjour à tous et bonjour Olivier. Vous le connaissez notre invité puisqu'il s'agit d'Olivier Hameau, responsable de la boutique e-commerce comme à la boucherie.com. Je rappelle le principe de cette maison familiale est de vous livrer à domicile en bas de chez vous des produits de qualité et des produits variés. Olivier, par quoi allons-nous commencer? Alors, on va commencer par une recette assez économique, qui est assez connue, mais qui est toujours très bonne, c'est le bœuf stroganoff. Alors, pour cela, il nous faudra 500 g d'émincé de bœuf ou de steak, 250 g de champignons de Paris, 60 g d'oignons, 20 cl d'huile d'olive, 80 g de concentré de tomate, 7 g de paprika, 15 cl de crème fraîche épaisse, du sel et du poivre. Alors, on va commencer pour cela. Donc, on coupe d'abord les champignons et la viande si elle n'est pas coupée en fines lamelles. On épluche l'oignon, on le coupe en morceaux, on le met, on le cisèle finement. Ensuite, on verse l'huile dans une cocotte, on la fait chauffer et on fait revenir les oignons 5 minutes dedans. Donc ensuite, on ajoute la viande, le concentré de tomate et 2 cuillères à soupe d'eau. On mélange, on porte à ébullition et on laisse mijoter à couvert pendant 10 minutes à feu moyen. Et ensuite, on va ajouter les 10 minutes après le champignon et le paprika, on sale et on poivre. On laisse mijoter à nouveau 10 minutes à couvert. Et enfin, au bout de 5 minutes, on ajoute la crème. Il y Et a une aussi. petite, voilà, il y a une petite astuce également, Olivier, c'est si toutefois la personne n'a pas de robot, ça peut encore arriver, si une personne vit encore à l'époque du Moyen Âge. C'est une recette sans robot, hein, c'est une recette sans robot, celle-ci. voilà, donc si on peut la faire ici également sans robot, hein, c'est bien Non, c'est, une. en fait, c'est, effectivement, alors, on va le couper au montage, cette partie-là, mais effectivement, le lien que je vous ai envoyé, c'est une recette avec robot, mais moi, je vous ai mis la version sans robot, D'accord. juste à la poêle. D'accord, donc on a fini pour cette première recette. Exactement, il y a juste une petite suggestion aussi. On peut aussi, si on souhaite remplacer l'eau de la recette par un peu de vin blanc, pour donner encore un peu plus de goût à la préparation. Parfait. Et on peut servir avec du riz ou des tagliatelles, par exemple. Toujours avec notre invité Olivier Hameau, quelle est la seconde recette que vous allez nous présenter? Alors, je vous ai présenté ensuite, je vais présenter ensuite deux recettes d'automne. La première, c'est le filet mignon de porc aux châtaignes, crème et thym. Alors, pour cela, il nous faudra un beau filet mignon de porc, 30 g de beurre, un oignon rouge, une gousse d'ail, deux poireaux, une cuillère à soupe de persil, 200 g de châtaignes cuites sous vide, 3 brins de thym, une feuille de laurier, une cuillère à soupe de moutarde, 200 ml de vin blanc, 200 ml de crème fraîche épaisse, du sel et du poivre. Donc, on va pouvoir commencer la préparation. Donc, première étape, on épluche et on émince l'ail et l'oignon. On lave le thym, le persil, le laurier et on hache finement le persil. On note le pied des plus grandes feuilles de poireaux et on les lave bien pour enlever bien toute la terre ou le sable qui peut rester dans les poireaux et on les émince. On coupe le filet mignon en tronçons, 4 tronçons par exemple. On fait colorer les morceaux de viande à feu vif dans une cocotte avec le beurre pendant 5 minutes. Et on ajoute les oignons et les poireaux émincés. Ensuite, on sale, on poivre, on laisse cuire 10 minutes en mélangeant régulièrement. On ajoute ensuite l'ail, le thym, le laurier, la moutarde et le vin. On mélange et on laisse cuire encore 10 minutes. Ensuite, on va ajouter les châtaignes. Donc, il n'y a pas besoin de les faire cuire très longtemps parce qu'elles sont déjà cuites. On porte à frémissement 5 minutes et on sert. Et on décore, si on veut, de quelques pluches de persil. Voilà une recette qui est de saison parce que c'est la saison des châtaignes.
et qui est un peu original. Alors, une question concernant les châtaignes, est-ce qu'elles viennent de Corse? Comment ça se passe pour le choix de vos châtaignes, Olivier? Alors, les châtaignes, alors nous, on n'en propose pas pour le moment, mais souvent, elles viennent plutôt d'Ardèche, elles peuvent venir de Corse, de beaucoup de régions. On peut même aller les chercher dans la forêt, en ce moment, c'est intéressant aussi. On peut aller se faire une petite balade et si on tombe sur un bois de châtaigniers, on peut trouver des bonnes châtaignes aussi. Nous arrivons tranquillement à la dernière recette, Olivier. Livrez-nous sans plus attendre cette dernière recette. Alors, on change complètement de région, mais toujours une recette de saison avec un tagine d'agneau aux poires. Les poires, on est sur la fin de la saison des poires, là, donc c'est le moment d'y aller. Alors, pour faire ce tagine d'agneau aux poires, il nous faudra 800 grammes d'agneau. Moi, je vous conseille de prendre de l'épaule qui est déjà coupée en cubes, ce qu'on peut proposer chez nous, par exemple. Très bien, Ensuite, 60 grammes. c'est ce que j'allais vous dire. N'hésitez pas justement à dire que cette épaule d'agneau ou cet agneau, on peut le sélectionner directement sur le site de comme à la boucherie.com, puisqu'en plus on a le privilège d'être livré en bas de chez soi. Tout à fait. Exactement. Donc, des beaux morceaux d'épaule d'agneau, 800 grammes, 60 grammes de beurre, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 oignons moyens, un bâton de cannelle, une dosette de safran, quelques filaments de safran, une cuillère à café de cannelle en poudre, une cuillère à café de sucre roux, 2 cuillères à soupe de miel, ensuite 800 grammes de poire, donc des poires dont on aura enlevé la peau et les pépins. Du sel et du poivre, du gros sel et du poivre. Donc pour faire ce petit tagine d'agneau au poivre, on va peler et émincer finement les oignons. On va couper la viande en cubes si elle n'est pas déjà coupée. Mais vous pouvez si vous avez acheté une épaule d'agneau entière, vous pouvez la couper en cubes. Dans une cocotte, on va faire fondre le beurre avec huile d'olive. On ajoute la viande, une petite poignée de gros sel, du poivre. Et on laisse dorer tout ça 5 à 10 minutes. Vous retournez bien sûr les morceaux pour les dorer de chaque côté, sur chaque face. On ajoute l'oignon, le bâton de cannelle et le safran. On couvre la viande d'eau et on fait mijoter environ 30 minutes sur feu moyen à couvert et on remue de temps en temps. Si jamais on voit que ça accroche un peu, qu'il n'y a plus assez d'eau, on rajoute de l'eau si nécessaire. Alors, Et une question, Olivier, est-ce que par exemple, vous dites, là que vous mentionnez, que vous rajoutez de l'eau, est-ce qu'on peut par exemple, plutôt à la place de faire de l'eau, est-ce qu'on peut par exemple y mettre un bouillon de volaille ou un bouillon. Oui, tout à On fait. peut y mettre, c'est ça? Avec les épices, l'oignon, l'agneau, c'est déjà assez goûteux, mais effectivement, pour encore plus de goût, on peut mettre du bouillon de volaille. Après, le bouillon de volaille, c'est souvent pour les tagines de poulet plutôt, mais ça ira très bien aussi avec les tagines d'agneau, ça donnera encore plus de goût aux préparations. Alors, au bout de ce temps, donc les 30 minutes, à partir du moment où on a fait mijoter 30 minutes sur feu moyen, on ajoute la cannelle en poudre et le sucre. On laisse ensuite mijoter encore 10 minutes de plus. Pendant ce temps, on va laver les poires, on les épépine, on les coupe en quartier ou en cubes et au bout de 10 minutes, on les met dans la cocotte. Ensuite, on met le miel et on laisse encore mijoter 5 à 10 minutes. Jusqu'à ce que les poires soient bien fondantes. Et on va pouvoir servir tout cela très chaud. Voilà pour un plat un petit peu exotique. Oui, là vous êtes passé en fait vous êtes passé un peu des pays de l'Est avec le bœuf stroganoff, en Stroganoff, qui est une recette passant plutôt russe. voilà russe, en passant après par le filet de porc, on peut dire que c'est un peu européen en France. Et puis vous avez traversé la Méditerranée, puisque le tagine c'est plutôt un plat méditerranéen. Donc vous avez Voilà. finalement, grâce à vous, nous avons fait un long voyage sans se déplacer toujours C'est ça. comme On essaie toujours de voyager un petit peu parce qu'il y a tellement de. La gastronomie française est déjà très riche, mais il y a tellement de belles choses aussi à voir ailleurs. Bien sûr. Merci Olivier pour la présentation de ces trois recettes. Je rappelle que vous êtes responsable de la boutique e-commerce comme à la boucherie.com. La particularité n'est pas des moindres car une fois que l'on a choisi sur le site www.commealaboucherie.com ces produits, nous avons cette chance inouïe de les recevoir en bas de chez soi avec des livreurs très compétents et le tout dans un camion réfrigéré.
Que demander de plus? Merci Olivier de nous avoir présenté ces trois recettes. Au rendez-vous donc au mois d'octobre pour des recettes automnales. Olivier, merci. Merci Elliot, merci Richard. À très bientôt. À très bientôt.